Et là, alors c'est où? Normalement c'est bon? On est ok là? Eh oui! Putain, je suis trop bête! Ah là là! Ouais, non, en fait, je sais ce qui s'est passé. Alors c'était très bête. C'est très bête. Attends. En fait, j'ai juste changé d'overlay et tout, donc du coup, j'ai essayé de créer une nouvelle scène.
Et bon, ça se voit pas hein, parce que là c'est encore en chantier. Et en fait, j'ai juste oublié d'ajouter la source de voix, tout simplement. Donc parfait. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je parle dans le vent et ça c'est nice. Putain. Bon, comment tu vas sinon? Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là. Donc là, je fais ça, je suis collé, hop, c'est bon. Heureusement que tu me le dis, hein, parce que moi, j'aurais continué à parler tout seul comme ça pendant des plombes. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je viens de voir le match de l'équipe de France, donc je suis tout à fait content. Hein? Pourquoi on est là? Non mais la souris, ça va être un enfer. Ah, il y a un truc là-bas. Fou de joie, le roi s'enferma dans son atelier et peignit des cadeaux pour sa reine. Il ne voyait pas son désintérêt, qu'elle ne cherchait même pas à masquer. Le seul présent qu'elle garda fut un petit pinceau d'argent. Ok. Ok. Yes, parfait. Alors. What? Attends. D'accord, ça c'est la même pièce. Waouh, ça va être compliqué, hein. Là, c'est l'extérieur, donc logiquement, il faut être de ce côté-là, j'imagine. Mais qu'est-ce que c'est que. Si je fais genre ça, il se passe rien, évidemment. Là. Parfait. Et que dalle. Ok. C'est pas possible là, il va y avoir un truc, peut-être là, faut monter. J'imagine. Ouais, ok, d'accord. La chambre d'enfant. Là-bas. Chaque jour, le roi peignait une nouvelle pièce pour sa maison, puis l'abandonnait, car il la trouvait indigne de sa reine. Alors qu'il dormait, la reine passait ses nuits à peindre des créatures de la forêt, sans jamais en terminer une seule. 5 mois ah ouais, avaient mais passé pourquoi tu veux te coucher bien quand tard? le roi s'aperçut qu'elle était enceinte. Oh, non, non! Ah, j'ai cru que j'étais tombé. Ah bah, on peut tomber. Merde, putain. Je voulais juste regarder. Ah, oh, fais chier. Ok. Ok. Bon bah on va tenter comme ça. Ah oui d'accord, de nuit. Ah ouais. T'as bien du courage hein, quand même. Yes. Putain. Allez, jusque là. Enfin, ça, très bien. J'ai créé ça, je sais pas du tout pourquoi. Parce que peut-être qu'il faut que j'aille là-bas en fait. Putain ouais, j'ai jamais travaillé de nuit moi mais Ça doit être si dur. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Est-ce qu'il faut descendre? Ah bah pas du tout, pas du tout. Ok, bon bah ça doit bien être par là-bas j'imagine. Ok, alors. Ouais, faut aller peut-être là. Là et on fait ce taras ceci. Ah oh non, où j'en suis? Ah ouais, bah ce soir je sais pas du tout, peut-être après ça dépend sur quel jeu j'imagine. Mais ouais, je sais pas du tout, ça dépend un peu ce que font mes colocs ce soir. Je sais pas trop. Mais je te tiens au courant dès que possible. Putain, la manette, c'est un calvaire. On va dire comme ça. Faut faire un escalier. Où est-ce que je suis? En vrai, je vais me suicider, hein. C'est Pourquoi je fais ça, d'ailleurs? Et pourquoi je fais pas genre ça?
ça. Allez, encore un peu plus bas. Plus bas. Plus bas, ça. Est-ce que je peux monter là-dessus? Non. Putain, presque. Un jeu de Sherlock Holmes? Genre, attends. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns, mais... Waouh, waouh, waouh. Mais j'avoue que enfin, je les connais pas trop. J'en ai testé aucun. Putain, pourquoi j'ai pas fait ça dès le début? Oh, je me fatigue. Ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est? Yes. Ah, c'est là-bas. Putain. Ok, alors, logiquement. De quel jeu Sherlock Holmes du coup tu parles? Parce que je les connais pas trop. Ça rend fou. Ça rend vraiment fou. Yes! Putain. Là? Non. Là? Non plus. Putain, c'est pas possible. Mais... Putain. Mais c'est un truc de... C'est fou! Ok, bah je vais essayer de regarder ça après... Après ça. Non, pas comme ça. Pas comme ça. On va dire comme ça. Comme ça, ok. Ah, oh, ça fait péter un câble. Si je fais genre ça. Ok, on monte tranquille. Tranquille. Ah, y'a problème là. Là, y'a problème. Ah, mais vive les soldes de Steam. Hein. C'est. Non! Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça sert à quoi ça? Ok, j'ai rien compris. Ok. D'accord. Bon, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse parce que là c'est trop compliqué. Peut-être que si je mets une plateforme déjà là-bas. Genre. Ça. Comme ça. Ça va être n'importe quoi. Ça va être vraiment n'importe quoi, je pense. Putain. Genre, haute comme ça. Ok. Ça c'est vraiment beaucoup trop haut, c'est complètement naze. Dégage. Alors. Non, je suis désolé mais ce jeu il me frustre. Là le but c'est juste en fait d'avancer dans le décor. Donc d'aller là-bas je pense. Et le problème c'est que c'est vachement complexe. Déjà parce que je suis à la manette et qu'à la manette c'est horriblement difficile d'être précis, je trouve. Pour ça par exemple que je fais aucun jeu de tir avec une manette, sinon, enfin pratiquement. Ok, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Faut juste que j'arrive là-bas. Ouais, là j'ai abusé je pense. Ouais, j'ai abusé. Oh, j'ai complètement abusé. Ça va être short. Je peux pas aller aussi haut. Je peux pas aller aussi haut. Je la tente. Et non. Non! Ah, remarque, peut-être à cette hauteur-là. Yes! Mais ouais, en fait, les niveaux changent beaucoup, en fait, selon les... Enfin, selon l'avancée dans le jeu. Au départ, c'était vraiment tout blanc, et puis c'était qu'en noir et blanc, voilà. Et au fur et à mesure, tu chopes des couleurs qui ont des effets, des trucs comme ça. C'est... What? Ah. Là, je fais ça. Hop. On monte genre... Là. Ok. Ok. Ok, on est au balcon et quoi, y'a rien? Ah non, ah non, non mais non mais non. Là c'est... Ah non, c'est là-haut qu'il faut aller. Oh. Oh mais c'est un truc de fou furieux. C'est de quel côté? Ouais, c'est là-bas. Ok, donc si je fais genre ça... N'importe quoi. N'importe quoi, dégueulasse. Va-t'en. Voilà, alors on recommence. On fait genre... Ça. Jusqu'à... Plus bas, plus bas. Voilà. Ok. Et genre on rate son saut comme ça par exemple. Ça c'est pas mal aussi hein. Putain. Hop, hop, d'accord. Normalement ça devrait suffire. Non, allez, allez. Ce qui est bien c'est que moi j'aime pas les puzzle games normalement. Enfin j'aime pas trop ça parce que je suis... Enfin c'est trop difficile je trouve. Et là je me retrouve complètement là-dedans. Mais bon ça va, c'est marrant là. Qu'est-ce que... Ok, on va pas prendre de risques inutiles, on va faire ça. Petit à petit. On va monter juste petit à petit comme ça. Tac,
On fait des escaliers. Putain, mais c'est pas possible. J'ai pas visé, c'est incroyable. Plus bas. Ok. Putain, ça rend fou. Ça rend vraiment fou. On avait dit plus bas, on avait dit comme ça. Voilà. Ok, bah on va faire que monter comme ça, hein, s'il faut. Hop, hop. Ok. On est plus très loin, là. On est plus très très loin. Si je, maintenant je fais un truc genre... Ah, je sais. Je sais ce qu'il faut faire, en fait. C'était genre ça, mais en mieux. C'est-à-dire avancer au fur et à mesure comme ça, mais donc du coup, il en faudrait genre un là. Allez, allez. Voilà. Là, on fait ça. Ça fait comme un escalier, petit à petit. Et en fait, il en faudrait un grand genre en face. Genre qui fasse... ça. Bah. Ok. Ok. Et ben voilà. Ouh. Ok. Ok, je suis où là? D'accord, faut aller dehors. J'ai l'impression d'être vraiment... En fait, je suis stressé, c'est trop bizarre. Parce que c'est... Parce que j'ai l'impression que si je tombe là, que je me retape tout, je vais juste péter un plomb. Allez. Allez, on peut pas rater ça. Putain, à l'extérieur, là, c'est vraiment stressant. Je suis vraiment le plus bas possible. Du coup, faut que j'en fasse une là aussi. Si je tombe, je vais... Voilà, je vais même pas y penser. Ça va être la déprime. Allez, allez, pas de stress, on est tranquille, voilà, on rentre. Oh non, mais stop. C'est pas... What? Hein? Il y a des échelles partout maintenant. Est-ce qu'on peut... Est-ce que... J'arrive même plus à parler. Je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Je pense que si je saute, c'est bon, mais... Ok. Oh, j'ai tenté le saut, mon cœur il s'est arrêté de battre pendant environ 2 secondes. Ok, télescope, qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi là-bas? Ok. Oh, le full stress. D'accord, très bien. Comment je suis censé atteindre ce truc-là? Ouais. Ah non, j'aime pas quand il y a des petites corniches comme ça, là, c'est pas... C'est rarement bon signe. On va rester vraiment collé au truc. Bah quoi? Qu'est-ce que... Il doit y avoir un truc. Ah, peut-être qu'il faut juste... Ok. Le saut de la foi. On y croit. Allez. Oh non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bon. Ah, yes, je suis retombé. Trop bien, sans faire exprès. Bon, la seule le seul truc qui est cool, c'est que on revient là. Mais pourquoi? What? Mais c'est dans quel sens? C'est à rien à comprendre. Ah! Allez, jusqu'au bout là-bas. Descends la manette, descends. Ok. Ok. Du coup, logiquement, là c'est bon. Ok. Oh, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop pour un seul homme. C'est fou. Oh là là. Heureusement que l'équipe de France a gagné tout à l'heure, sinon je serais pas dans cet état-là. Hein. Alors, mais ça fait trop de stress, ça fait trop de stress d'un coup. Ça. Mais attendez, ça sert à rien en fait tout ce qu'on a fait là. Parce que c'est là où j'étais tout à l'heure. Parce que là, c'est de là qu'on vient. On a été voir ce truc-là. Non mais attendez. Quelle est cette sorcellerie là? Je veux dire. Là, on en vient. Et ensuite, on avait ces pièces-là qui se sont ouvertes. Là-bas, on y est allé. Ah bah, ça doit être là-bas, j'imagine. Ou alors, c'est de là qu'on vient. Ah, c'est peut-être de là qu'on vient. Putain, mais ça se ressemble aussi, c'est relou. Même si j'ai un peu l'impression que ce sont les mêmes choses. Pas du tout. Ok, c'est là-bas. On saute. Let's go.
Ouais. Comment je suis censé me repérer là-dedans? D'accord. Ok. La veille de son accouchement, la reine quitta le roi. Elle ne prit qu'un seul tableau inachevé. À son réveil, le roi ne trouva aucun mot expliquant son départ. Super. Super. Alors, à droite, il n'y a que dalle. À gauche, logiquement, ouais, l'espèce de truc rouge là. Qu'est-ce que c'est? Si je tire dessus, il se passe quoi? Ah! Monument du roi. Le monument du roi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie de l'histoire? Pendant 9 ans, le roi arrêta de peindre. Ouais, tellement. Puis il eut une vision. La chance. Un monument colossal à son image qui traverserait les siècles. Il n'avait pas encore achevé de peindre la maquette, haute de plus de 30 mètres. Mais du coup. Lorsque ses forces commencèrent à décliner. On est d'accord que le môme qu'on joue, il a pris un tableau de sa mère. Qui était du coup le signe inachevé. Mais, du coup, est-ce que sa mère, ça serait pas la femme dont il parle là, avec qui était le roi? Du coup, est-ce que notre père, c'est pas le roi? Moi, je pense que si. Je pense que si. Ça fait des grosses théories ici. Alors. Par contre, ce serait bien que genre, je puisse avoir de la lumière et tout. Allez, là, normalement, ça va être bon. Le roi ne termina plus le moindre tableau. Il se coucha un soir et fut incapable de terminer son propre rêve. Il est depuis lors resté coincé à l'intérieur. Il est coincé à l'intérieur. D'accord. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Si je tire dessus, il se passe quoi? On n'en sait rien. Dans le doute, on va sauter par là. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc l'échelle, elle est électrifiée. C'est super. What? Attendez, attendez. Si je tire là-dessus, c'est parce que... Attends. Peut-être que si... Enfin, qu'il faut que je pète ces trucs-là, là. Ah, mais je suis trop loin. Et si je... Hop. En sautant. Absolument rien. D'accord. Ça, si je la prends, je vais m'électrocuter à moins. Mais j'ai pas la... J'ai pas de quoi aller là-haut. Y'a pas un truc, y'a pas genre sur le côté, je peux pas passer, un truc comme ça? Oh là là, mais les puzzle games c'est si compliqué des fois. Non mais ça doit être simple, ça doit être très simple, il doit y avoir un truc tout à fait évident. Peut-être que déjà je vais sauter par-dessus ça. Ok, déjà on se met là-dessus. Très bien. Ensuite, si je tire là-haut, normalement c'est bon, j'ai la portée. Waouh, mais c'est pas possible, y a aucune force. Attends, mais mange un sucre. Ok, bon, nice. Si je saute par-dessus les câbles. Peut-être. Alors peut-être. Ah ouais, non, mais là, c'est mort. Là, c'est absolument mort. Je sais jamais pour y aller. Je la tente. Oh là là. Oh là là. Les plays. Qu'est-ce qui se passe par contre? Qu'est-ce qui se passe? Oula. Oh putain, il y a l'eau qui monte. Ok. Je vais monter là-dessus, très bien. Et là, est-ce qu'il y a encore des... Ça doit être ça, attends. Faire ça. Ok, là on monte. Go, 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 go. Voilà, on a déclenché un truc, j'étais pas trop près là. Merde, l'eau aussi elle monte là aussi, d'accord. Ok. Il y a... On voit rien, mais bon, c'est pas grave. On saute, ok, on passe en face. Boum, c'est la course contre la montre. Ok, ok, c'est type par, il y a une pièce en face. Nickel. Allez, let's go, let's go. Ah! Ah! Sur la table. La table salvatrice. Putain, je suis en full impro. Je tente des moves, j'ai aucune assurance qu'ils vont passer, mais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Non, là, c'est pas une sortie.
passer par là, hein, on est d'accord. J'hésitais à prendre la porte, mais... Oh, ok, c'est bon, c'était ce qu'il fallait faire. Très bien. Ça continue de monter? Ouais, ça continue, évidemment. Évidemment, pourquoi ça s'arrêterait? Alors... Vite, vite, vite. Allez, allez. Putain, je vois vraiment rien. Ah, c'est bon, c'est là. Ok... Allez, go, 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 go. Oula, 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 oula. Oh, c'est sensible, hein. C'est sensible. Qu'est-ce qu'on a par là? Hey. Putain, mais reviens, toi. Déjà, t'as pas de temps, pas de toi. Ok, ok. Là, c'est... Où est-ce qu'on nous emmène? Regarde. Attends, j'en ai tapé dans mon micro. Ah ouais? Ah, la statue. Ok, on saute là-dessus, boum, et on monte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais qui voilà? Alors que Monroe tentait de trouver quelque chose à dire, la statue tressaillit et l'écoutille se referma. Toute parole était maintenant inutile. Le roi était réveillé. Oh là 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 là! Mais c'est le dernier chapitre qui arrive là, j'ai l'impression. On a été naze. Oh là là, zéro ballon. Alors là, on est vraiment sur une belle moyenne. Dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Ah bah yes, ok, ouais. Ah, c'est toi, le garçon de mon rêve. Ouais, il me semblait aussi c'était un rêve des plus étranges. J'assistais impuissant à la destruction des œuvres de ma vie. Ah yes, cool. Viens, assieds-toi près du feu. Attends, mais c'est quoi, c'est l'hippopotame qui parle? Tout a commencé ici, dans la maison de mon enfance. J'ai entendu des coups à la porte, comme la nuit de mon départ. Mais c'est trop marrant. Ça se colle si je tire. Rien, d'accord. Derrière la porte, il n'y avait rien. Seulement un grand vide blanc. Bah très bien. Ah! Ok. Là-bas, ça a l'air d'être... Ah non, on peut pas avancer par là. Et là? C'est par là, ouais, ok. Oh mon dieu, quel bordel. Ça détruit les yeux. Par là. En sortant, j'ai été saisi d'horreur. Ah, pourquoi? Un mécréant avait mis de la peinture partout. Mon jardin était anéanti. Eh, mais c'est pas nous. Nous, on est le mécréant, je pense. Puisque c'est le chemin qu'on a fait au début. Enfin, je pense. C'est là que ma statue... Peut-être pas. ...a pris la parole. Je prenais... À l'aide, un petit voyou s'amuse à asperger le jardin de peinture. Je crois qu'il se dirigeait vers... Ah, j'en ai un peu dans la bouche. Oh non. Ok. Ok. D'accord, bah, du coup on est là. Ouais, en fait c'est ça. J'ai vu mon labyrinthe inachevé, abandonné, oublié de tous. Oublié de tous. Ouais, du coup, faut qu'on monte par là, j'imagine. Oui, le générique est apparu. Vos rêves ont un générique. What? Oh oui, et des sous-titres. Mais attends, quoi? Attendez, c'est... Là, il vient de dire vos rêves ont un générique, donc il y a bien quelqu'un qui lui répond, et qui a une voix qui n'est pas la mienne. Donc, Putain, c'est barré un peu. Où vais-je? Ah, voilà, t'es sûr. Allez, par là-bas. Ouais, allez les plantas. Let's go. Je sais pas trop où je vais par contre, mais... Mais bon, faut tenter, hein, au bout d'un moment. Allez, let's go. Ok. Ensuite. Puis, j'ai vu ma belle cité
étranglée par cette vigne dégoûtante. Bon, elle aurait dû survivre au siècle. Un seul aura suffi pour qu'elle disparaisse, engloutie par les herbes. Et le voilà. Et voilà le Joe, le David. Allez, viens là. Mais énorme. Ok, 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 on continue. Je suis pas très serein au-dessus du vide comme ça quand même. Ça rebondit là. Pourquoi ça rebondit? Je peux monter? Ouais, ok, nice. La salle du banquet était remplie, comme autrefois. Elle sentait bon, l'oie rôtie. Rempli par quoi? Pendant un temps, je me suis senti heureux. Ok. Soudain, j'étais à nouveau seul. Oh, le changement d'ambiance. Le monde était devenu froid et sombre. Je sentais ma propre mort approcher. Oh, ça sent les araignées, ça. Ça sent les araignées. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh non, encore un niveau avec ça. Yes, putain. Bordel de merde. Non, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est où? Si je prends genre ça, et que je vais... Où est-ce que je veux aller déjà? Bon, c'est de là que je viens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a là-bas absolument rien. Et là-bas absolument rien. Ça va être pratique ça. Peut-être là-haut? Non. Mon dieu. Pour ramasser le solide. Je ramasse le solide. Je le mets. Là. Attends. Ok. Ok. C'est pas mal. C'est cool. Ça tremble un peu, mais c'est cool. Par où faut aller? Je voyais des débris de la maison que j'avais commencé à construire. Au bout de 10 ans à peine. Voilà qu'elle tombait en ruine. Aïe, aïe, aïe. Les œuvres que je voulais impérissables disparaîtront bien avant moi. Et ouais. Alors. C'était un enterrement. Putain, faut suivre. Hein. Le mien, apparemment. Il n'y avait personne. À part toi. Eh, hey, c'est moi, c'est Monroe. Oui, il est disparu. Et le cygne. Qui fait des bruits vraiment flippants. Mais putain. 2 secondes parce qu'il y a vraiment mes câbles là qui font n'importe quoi. Ok. Du coup, ça c'est moi. Parfait. Et je vais quoi? Je vais devoir marcher sur mon cadavre? Yes, parfait. J'ai vu mon monument. Mon dernier espoir pour que l'on se souvienne de moi. J'ai avancé dans sa direction. Il a quand même un sacré boulard. À chaque pas, je grandissais un peu plus. Okay. Je grandissais encore et encore, comme un adolescent. J'ai appliqué une simple pression et mon monument s'est écroulé. Okay. J'avais sous les yeux tout le travail de ma vie. Mes œuvres s'effondreraient ou disparaîtraient sous la peinture des générations futures. Tout comme j'avais peint par-dessus l'univers d'un autre. Et là, j'ai détruit la ville? Ah non. Non, ok. Mais vas-y, avance. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il avance comme ça? Ça n'a aucun sens. Mais en fait, il avance pas. Attends, attends, attends. Attends. Voilà, là, si. Ok. Après le chaos, je savais que toutes mes créations disparaîtraient. Assis, le regard perdu dans les ténèbres, je me suis souvenu de toutes mes œuvres commencées et restées inachevées. Ah merde, je suis devant. Attendez, je suis dans les Tout ne m'attristait pas. J'avais pris du plaisir à les créer. Je l'aurais fait quoi qu'il arrive. Étrangement, je sentais qu'à mon réveil, mon travail serait réellement anéanti. C'est là que tu es arrivé. J'ignore ce qui t'amène, mais je suis content de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Ce pinceau ne m'appartient plus. J'ai fini mon travail. Il est à toi désormais. Oh, c'est gentil. J'espère qu'il te rendra heureux.
et qu'on dira un jour de toi que tu valais mieux que ton père. Hey. Cette porte te conduira où tu le désires. Yes. Mais pars vite, mon enfant. Tout ce monde est éphémère. Cette nuit-là, alors qu'il était exténué, Monroe fit quelque chose dont sa mère aurait été incroyablement fière. Il se mit à peindre. Des canards. Enfin, des cygnes. Fin, d'accord. Ok. Voyez-vous cela? C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Putain, mais je pensais pas le... Ouais, le jeu est fini, ouais. Putain, je pensais pas le finir si vite. Merde. Yes. C'est quoi ça? D'accord. Bah, c'est vraiment très... subtil. Ouais, c'est... c'est rapide. C'est bon, putain... Bah du coup, je vais basculer sur autre chose, hein. Je vais pas rester comme ça. Ça fait 40 minutes. Ouais, on va faire autre chose. Ah. Bah ouais, parce que la dernière fois, je crois que le live faisait 1h40, si je ne m'abuse, et là, ça fait 40 minutes, donc ouais, ça fait 2h20. Tout comme ça, 2h20, ouais. Ouais, putain. Bon, ok. Très bien. Très bien, très bien. Que faire? Que faire, que faire? Logiquement, le seul autre jeu que j'ai en cours, là, c'est Chicken Police. Putain, je suis vraiment très très blanc, là. Mais ouais, je sais pas pourquoi les jeux comme ça... Enfin, ouais, je les termine un peu vite. Mais ouais, c'est... C'est à la fois cool et frustrant. Mais bon. Ouais, on va basculer sur ça, hein, sur Chicken Police. There is no choix. Alors, c'est où? Mais il est où? Steam.